5 millions d'années se sont écoulées depuis la disparition des dinosaures. C'est l'époque du développement d'animaux plus petits, dont les petits mammifères, qui ont progressivement augmenté en nombre et en espèces jusqu'à devenir le groupe d'animaux prédominant à l'époque du Miocène, en se diversifiant fortement grâce au changement climatique. La planète Terre continue de changer d'aspect tandis que les continents continuent de dériver vers leurs positions actuelles. L'Afrique, la péninsule arabique et l'Inde continuent de se déplacer vers le nord-ouest pendant cette période. Au fil du temps, il y a d'abord eu un refroidissement global qui a réduit la capacité de l'atmosphère à absorber l'humidité, ce qui a eu pour conséquence climatique d'accroître l'aridité. La planète Terre subit progressivement une augmentation généralisée de la température allant jusqu'à au-dessus des températures actuelles, un phénomène connu sous le nom d'optimum climatique du Miocène. L'Afrique se divise en deux, laissant la faune du continent isolée, les singes, parmi de nombreux autres animaux, subissant les conséquences de la catastrophe naturelle. La faille du Grand Rift commence à se former, et dans la partie occidentale de cette faille émerge une chaîne de montagnes de plusieurs centaines de kilomètres de long, qui empêche les courants humides de l'océan Indien de passer, de sorte que les pluies n'atteignent pas l'intérieur du continent. Le Miocène supérieur a provoqué le déclin des forêts tropicales humides dans toute la région, ce qui a également entraîné une diminution importante des forêts, les précipitations se faisant de plus en plus rares. Ces nouvelles conditions climatologiques et orographiques affecteront considérablement les écosystèmes et donc la vie sur le versant occidental, où la faune animale de cette zone est divisée en deux, celle qui habite la savane et celle qui habite la forêt, avec des conditions et des stratégies d'adaptation complètement différentes. Ceux qui vivent dans la savane subissent la perte de l'environnement arboricole dans lequel ils se sont développés et qui leur fournissait protection et facilité d'alimentation, ce qui augmente le stress de la vie. De la même manière que les animaux, les plantes ont également dû s'adapter à ces changements, et il est important de noter que, bien que certaines espèces aient disparu, une grande partie des animaux et des plantes qui existaient au Miocène subsistent aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte, il y a environ 10 millions d'années, qu'un étrange mammifère, que nous appellerons l'ancêtre commun et qui vivait dans les arbres, a commencé à descendre vers le sol de manière simple et au moyen de courts déplacements afin d'explorer un nouveau territoire, ce qui, au fil des millions d'années, marquera le début d'une évolution des millions d'années, marquera le début d'une évolution progressive. Notre histoire commence il y a entre 7 et 6 millions d'années avec les Préaustralopithecus, les premiers hominidés de notre arbre généalogique en tant qu'espèce. Hauteur approximative, 150 cm. Poids approximatif, 70 kg. Terre, Miocène. Habitat possible, zone marécageuse. Là où on a trouvé, Tchad, Afrique. Année de découverte, 2001. Bonjour, je me présente, je suis Sahelanthropus tchadensi, un nom dérivé du Sahel, qui est la région où j'ai été découvert, et de anthropo, qui en grec signifie homme. Mon nom est Tumé, ou du moins c'est ainsi que mes découvreurs m'ont baptisé. Tumé, en langue kanuri du Sahel, où j'ai été découvert, signifie espoir de vie, car c'est le nom donné aux enfants nés pendant la saison sèche. Je suis âgé d'environ 6 à 7 millions d'années. Pour plus d'informations, je vous dirai que j'appartiens au Messinien ou à la période messinienne, cela fait référence au dernier âge de l'époque du Miocène qui couvre une période comprise entre 7 246 000 ans et 5 332 milliards d'années. Mon volume crânien est d'environ 300 cm3, très similaire à celui des chimpanzés actuels, et ma taille était d'1 m et 20 cm, pour un poids approximatif de 70 kg. Je suis une espèce d'hominidée éteinte. Je ne suis pas apparenté à des hominidés antérieurs, mais je suis néanmoins très proche des hominidés. Mes restes fossiles ont été trouvés dans le désert de Djurab avec 9 restes crâniens et postcrâniens appartenant à 6 membres de mon espèce.
En conséquence de la position de mon crâne par rapport à mon corps, j'ai pu avoir une position bipède pendant de courtes périodes, car mon orifice occipital, qui est l'endroit où ma colonne vertébrale est insérée dans la partie inférieure de mon crâne, indique la possibilité d'avoir été bipède. Les caractéristiques géographiques de la région où je vivais il y a 7 millions d'années, au Miocène, n'étaient pas les mêmes que maintenant. J'ai vécu près de l'ancien lac Mégachad, où il y avait une forêt, une rivière et une savane boisée. Dans la faune qui m'entoure, on a trouvé des milliers de fossiles de vertébrés, comme des éléphants, des girafes, des antilopes, des hippopotames, des crocodiles, des lézards, des singes, des poissons et des sangliers. Je mangeais des fruits, des graines et des racines et je complétais mon alimentation par de petits animaux, car d'après la morphologie de mes dents, je ne pouvais pas manger d'aliments très durs car mes dents étaient petites. Sur les sites où mes ossements ont été retrouvés, aucun objet ou outil associé à mon existence n'a été trouvé, ce qui signifie qu'il n'y a aucune preuve de propriété. Hauteur approximative, 140 cm. Poids approximatif, 50 kg. BRE, Messinien, fin du Miocène. Habitat possible, forêt sèche à feuilles persistantes. Site, Chebois, Capsomin, Capchebrec, Araguée, Kenya, Afrique. Année de découverte, 2001. Bonjour, laissez-moi me présenter. Je suis Aurorin Tugenancy, aussi appelé l'homme du millénaire car j'ai été trouvé en l'an 2000. Le nom d'Aurorin signifie homme originel en langue Tugen, et Tugenancy parce que mes fossiles ont été trouvés dans les collines de Tugen au Kenya. Je suis âgé d'environ 6,1 millions à 5,8 millions d'années, ce qui correspond à la période du Miocène, plus précisément au Messinien de la fin du Miocène. Mon espèce s'est éteinte. À l'endroit où j'ai été trouvé, on a trouvé un total de 14 pièces appartenant à un groupe de 6 individus, on ne sait pas s'il s'agissait de mâles ou de femelles, ce que l'on sait c'est que l'un d'entre eux aurait pu être un très petit enfant en raison de la taille de ses dents. De plus, sur l'un des fragments de fémur trouvés, il y a deux marques qui pourraient correspondre à celles produites par les canines d'un grand prédateur, cela signifie que l'un des membres de mon groupe pourrait avoir été chassé et mangé par un grand félin. Mes découvreurs pensent que j'appartiens à l'arbre généalogique humain et affirment que je suis différent du genre Australopithecus, je suis donc considéré comme un ancêtre direct des Australopithèques et donc des humains. Je mesure environ 1m40 cm. La taille de mon cerveau est inconnue, car il n'y a pas de matériaux dans le crâne pour mesurer la capacité crânienne, mais on estime qu'elle se situait entre 320 et 380 cm3. La cavité dans laquelle la moelle et l'encéphale se rencontrent est ovale et non arrondie comme chez les singes, et pour cette raison on suppose que j'étais bipède. De même, la longueur et la forme de l'humérus et du fémur, ainsi que de l'articulation avec le bassin, prouvent que j'étais bipède, même si j'ai conservé la capacité de grimper aux arbres. Ma dentition est petite avec de petites canines et des molaires assez grandes, très semblables à celles des humains, ce qui indique que j'avais un régime omnivore riche en protéines. Mon régime alimentaire était basé sur les fruits et probablement les fourmis et autres insectes. Je vivais dans une forêt ouverte avec beaucoup d'arbres. Il n'y a aucune preuve d'attributs culturels spécifiques. Cependant, il est possible que j'aie utilisé des outils simples semblables à ceux utilisés par les chimpanzés modernes, tels que des branches, des bâtons et d'autres matériaux végétaux faciles à manipuler, ainsi que des pierres non modifiées. Bonjour. Je suis Ardipithecus Kadaba, et mon nom a son origine dans la langue Afrar, qui est la langue locale de l'endroit où j'ai été trouvé, de sorte que Ardi signifie sol, et cela combiné avec le mot d'origine grecque Pithecus, qui signifie singe, et Kadaba, qui signifie ancêtre le plus ancien, ensemble, constitue mon nom complet. Je suis âgé d'environ 5,8 à 5,2 millions d'années, ce qui correspond à la période du Miocène, plus précisément au Messinien de la fin du Miocène. Mon espèce s'est éteinte. Entre 1997 et 2000, dans l'actuelle Éthiopie, des échantillons appartenant à 5 membres de mon espèce ont été trouvés, dont des dents, des mâchoires, des mains, des orteils, des bras, des clavicules, des dents et des mâchoires. Plus tard en 2002, dans la région des Azakoma, dans le Middle Awash, 6 dents ont été trouvées qui, en raison de leurs caractéristiques particulières, ont conduit les chercheurs à suggérer que j'appartenais à une nouvelle espèce propre et non à une sous-espèce des Ardipithecus ramidus, comme on le pensait initialement.
Je suis donc un maillon de la transition entre les chimpanzés et Ardipithecus ramidu, la dernière espèce des Australopithèques, et la première espèce du genre Homo. Mon cerveau est approximativement le même que celui des chimpanzés actuels. Les chimpanzés ont une capacité crânienne de 320 à 480 cm3. En ce qui concerne ma forme et ma taille, d'après mes restes fossiles, je suis également similaire aux chimpanzés modernes, qui, en position debout, mesurent entre 1,5 et 1,7 mètres à l'âge adulte. Dans la nature, les mâles pèsent entre 34 et 70 kg, tandis que les femelles pèsent entre 26 et 50 kg. La structure osseuse de mes orteils indique que j'ai pu être bipède. Mes molaires sont plus grandes que celles des chimpanzés, mais mes canines inférieures et mes prémolaires supérieures sont semblables à celles des hominidés. Mes grandes molaires postérieures et mes incisives plus étroites suggèrent que d'autres aliments fibreux tels que les noix étaient présents dans mon alimentation en plus des fruits et des feuilles. J'ai vécu dans un endroit où il y avait des forêts et des prairies avec des lacs, des marais et des sources. Il n'y a aucune preuve d'attributs culturels spécifiques. Cependant, il est possible que j'aie utilisé des outils simples semblables à ceux utilisés par les chimpanzés modernes, tels que des branches, des bâtons et d'autres matériaux végétaux faciles à manipuler, ainsi que des pierres non modifiées. Bonjour, je suis Ardipithecus ramidu. Ardi signifie sol et pithecus en grec signifie singe, et ramide qui est la racine dans la langue amharique de l'endroit en Éthiopie où j'ai été trouvé. Mais je préfère qu'on m'appelle Ardi. J'ai 4,4 millions d'années, ce qui correspond à la période du Pliocène, qui commence il y a 5,33 millions d'années et se termine il y a 2,59 millions d'années, plus précisément à la période Zanclienne. Au cours de cette période, la température moyenne du globe était probablement supérieure d'environ 3 degrés Celsius à celle d'aujourd'hui. Cette époque a été marquée par des changements importants en termes de biodiversité, tant botanique que zoologique, car les plantes et les animaux ont commencé à s'installer dans différentes régions, contraintes par les conditions climatiques. D'importants changements dans la répartition des masses d'eau ont également eu lieu au cours de cette période, comme par exemple dans le bassin de la mer Méditerranée, qui s'est à nouveau rempli d'eau provenant de l'océan Atlantique, mettant ainsi fin à la crise saline dite mésinienne. Sur l'arbre de l'évolution, je suis placé dans la famille des hominidés, dans la sous-famille des hominini, au même endroit que Sahelanthropus et Tugenensi. Cependant, mon ancêtre le plus proche est Ardipithecus cadaba. On suppose que mon espèce est un ancêtre direct de L. australopithèque. Cette hypothèse me place comme le dernier parent commun entre les humains et les chimpanzés. Mon espèce s'est éteinte. En raison de l'emplacement des fossiles, les chercheurs pensent que je vivais dans la région de la vallée de El Awash en Éthiopie, mais des fossiles ont également été trouvés au Kenya, qui pourraient appartenir à d'autres membres de mon espèce. Dans les années 1992 à 1993, quelques maxillaires ont été trouvés, plus tard en 2005, les restes d'au moins 9 individus ont été signalés comme ayant été découverts à Aduma, dans le nord de l'Éthiopie. Plus tard, en 2009, de nouveaux restes fossiles ont été découverts dans la vallée de l'Afar, où 235 restes d'au moins 36 de mes semblables ont été trouvés. Après la découverte de mon squelette presque complet, de nombreux doutes concernant mon espèce ont été levés, par exemple, la forme de la partie supérieure de mon bassin indique que j'étais bipède et que je marchais le dos droit, mais le fait que le gros orteil, également appelé orteil opposable de mes mains et de mes pieds, était dévié vers l'intérieur, montre que je devais marcher sur l'extérieur de mes pieds et que je ne pouvais donc pas parcourir de longues distances. Un autre fait à cet égard est que la voûte plantaire n'est pas prononcée, ce qui indique également qu'il m'aurait été difficile de marcher debout sur de longues distances. En outre, ma position crânienne indique un certain degré de bipédie, puisque la base de mon crâne, de petite taille, est située juste au-dessus de la colonne vertébrale, et que mon bassin, mon fémur et mon tibia indiquent une bipédie. La proportion de ma constitution physique est largement différente de celle d'un chimpanzé ou d'un homme moderne, ce qui implique que ces différences sont nées après une séparation entre les deux espèces. La taille de mon cerveau était d'environ 350 cm3, semblable à celle d'un chimpanzé. Je mesurais environ 1,20 m et pesais environ 50 kg. En ce qui concerne mes dents, je présente des similitudes avec les singes modernes,
mais aussi certaines caractéristiques qui révèlent une parenté avec les humains. La taille de mes molaires était relativement grande par rapport à mes autres dents. L'épaisseur de mon émail était inférieure à celle de L. australopithèque, mais supérieure à celle d'un chimpanzé. Mes prémolaires étaient disposés d'une manière similaire à celle des humains. Ces caractéristiques, parmi d'autres, indiquent que je me nourrissais principalement de végétaux, bien que je puisse également manger des vertébrés et de petits insectes, j'avais donc un régime plus omnivore qu'un chimpanzé. Il est possible que j'aie également mangé des fruits, des noix, des œufs et des petits mammifères. Lorsque je vivais il y a 4 millions d'années, Aramis était une jungle luxuriante traversée par des rivières et des ruisseaux, un peu comme une forêt très humide sans être pluvieuse. La faune était composée d'animaux tels que des éléphants, des antilopes, des girafes à dents de sabre, certains types de singes et plusieurs espèces d'oiseaux. Il n'y a aucune preuve d'attributs culturels spécifiques. Cependant, il est possible qu'il ait utilisé des outils simples semblables à ceux utilisés par les chimpanzés modernes, tels que des branches, des bâtons et d'autres matériaux végétaux faciles à manipuler, ainsi que des pierres non modifiées.